Bah, malgré tout, c'est vrai que sur une Die Out, on peut pas avoir grand chose dans Epic Cancel, mais ça peut quand même vider des trucs sympas et ça reste une option correcte. Ça va être contre Mars, on est déjà parti. Et on part directement sur Mars. Contre un Mars, ça va être compliqué peut-être. Hein. La range de Mars qui doit quand même. Oh, le tipeur dès le début, il fait mal. Oh, ouais, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Et du coup, oui, c'est la question que j'allais te poser. Face à Mars, est-ce que Doc a vraiment les outils pour. Alors, c'est pas un match-up en sa faveur forcément, mais Doc peut vraiment, s'il arrive à approcher le Mars et à pas se faire trop zone out, il peut vraiment faire des choses sympas, notamment parce que Mars est un peu bien flotti. Ouais. Ça se combo assez bien avec Doc. D'accord. On a des dumps throw, des petits uppers qui peuvent partir. Ah, ça, c'est la classique Dr. Mario, spot dodge, jump smash. Tu la vois tout le temps celle-là, c'est vraiment la meilleure Gate of the Option de la jump smash. Les spot dodge, jump smash, c'est ultra commun. Alors effectivement, on va regarder celle-ci. Oh non, il le bon. Sauve, il le sauve. Ok, le Dolphin Slash qui va sauver le baby dans l'inverse. Qui va sauver les biches de ce cher Jim. Ok, là on a tenté. Ça aussi, c'est un truc. Le jab de Doc est vraiment fort pour hit sur des trucs. Genre des jabs down smash, c'est assez commun. Des jab grab aussi, ça peut être possible. Mais le jab 1 de Dr. Mario est vraiment une option solide pour un peu déstabiliser l'adversaire et réussir à trouver une ouverture. Alors là, par contre, t'as une première stock de Karu. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Jim. Mais, mais Karu, je ne le connais pas. Est-ce que tu as. Non. Je ne la connais pas, par exemple. Je ne connais pas du tout. Qui est. Joueuse du Royaume-Uni. Enfin, anglaise. Royaume-Uni. Ouais. Effectivement. La Britannique, elle joue Mars. Et pour l'instant, elle est en train de malmener notre pauvre Jim. Malgré tout, qui va prendre sa première stock après 150%. Ça reste compliqué pour le joueur de Doc ici. La spot Doc qui va pas passer. Qui va être un peu late. On va essayer de sauter dans les aérules de Mars qui va zoner le Doc. On risque d'être neutral ici, on va beaucoup jouer avec ses pilules. Malheureusement, ça ne va pas passer là, ça va être compliqué la phase juggle. Non. C'est très compliqué pour Doc de revenir, hein, effectivement, quand il est. Bah, quand il est en dessous, en vrai, quand il est au-dessus de l'adversaire, c'est pas non plus la mort. C'est pas non plus comme des persos comme Chic ou comme ça. Le donner est quand même une portée finalement assez surprenante. Mmh. Et bah, après, bon, quand c'est Mars. Oui, voilà. Ah, on me dit dans le raid que Karu, du coup, c'est un Epic Warrior, un Wi-Fi Warrior britannique. Qui montre un très bon niveau offline pour l'instant, en tout cas, qui a l'avantage sur Jim. Et qui ne se laisse pas intimider par le jeu on stream, par l'adversaire en face de lui, en face d'elle. Il est vrai. Pourtant, en plus, Jim, c'est pas n'importe qui quand bah, même. Bah, ça. C'est The Dr. Mario de France. Et puis, personnage très connu dans la communauté. Hein, oh là là, c'est magnifique cette phase, tu vois, quand je te disais. Ouais. Il y a vraiment moyen d'avoir des follow-ups sympas sur Mars, notamment avec ce père là, c'est ce que. Jim a essayé d'aller chercher, mais le dance match aura suffi en vrai, le Mars offstage. Joli. Ouais, très très, très bien exécuté. Et Jim qui reprend l'avantage après s'être fait mener 4 stocks à 2. Oh là, par contre, ici on va choper un grab. On va envoyer le Doc offstage. Alors, Doc offstage, c'est évidemment très compliqué. Hein. Même si le B est un peu tricky à appuyer pour certains persos. Oui. Et puis on est à 170% là, dans tous les cas, ça va être compliqué. Voilà, le moindre coup, effectivement, aller mettre en situation vraiment de désavantage. Mais on est parti pour ce dernier stock. On zone out très bien là, vraiment. On veut garder ce center stage du côté de Jim. On met beaucoup de pilules dans la tronche de Karu. On veut vraiment jouer très patient. Et les pourcents s'enchaînent très très vite. Le jab down smash dont je te parlais. Effectivement, qu'on a bien vu. Alors, il y a vraiment là, Jim fait du Jim. Hein. C'est vraiment pilule. Mais les pilules, c'est un projectile qui. Don't throw faire. Ça pareil, c'est un kit confirme assez connu. Sur les spécies notamment, c'est à plus bas pourcent, mais normalement c'est vers les 100%. Oui. Tu peux up throw faire, mais là je savais pas le don't throw pour Mars, j'étais pas forcément au courant. Voilà, encore une fois, moi c'est un Doc, c'est un personnage que j'ai pas spécialement l'habitude de croiser, et surtout pas à ce niveau-là, hein, puisque le niveau de Jim, clairement c'est le meilleur Doc français. Après Jim est très bon avec Doc, mais c'est vrai qu'il a. Il est plus trop dans le mode tryhard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas sa phase de gros grind est passée en tout cas. Oui, effectivement. Mais voilà, il montre quand même qu'il est quand même présent avec son Doc, qu'il peut faire des choses. Et puis, ok, là tu vois les uppers. Ouais. Ok, on va choper ce Doc. Ok, oula, alors c'était un peu bizarre cette option de vouloir venir full open air de manière bien obvious sur Doc, mais pourquoi pas. On s'attendait peut-être à ce que Jim fasse une option de top shield de ce bar. Mais bon, le neutral est assez even pour l'instant. On joue pas trop sur les pilules là pour l'instant de côté de Jim. On a plus envie d'attaquer sur les déplacements. Le upper qui va être trouvé. Ok, le light backer qui était très bien joué. Ouais, c'était pas mal ça. Vert. Là, oh putain, la spot dodge. Je suis pas sûr que le up smash ici ait évolué, mais très joli, confirme.
Ouais, en tout cas, le don't throw affair de Jim qui a trouvé cette première stock ici, c'est assez flowchart finalement. Ouais. Mais de toute façon, Jim, c'est quelqu'un qui est, je pense, parce que je n'ai jamais joué contre lui personnellement, mais qui est quelqu'un qui est d'assez flowchart, qui à l'époque a énormément grind son perso, qui a passé des mois et des mois à établir une charte de quoi faire avec un grab avec Doc en faisant tel pourcent sur tel adversaire, tel ça. Ouh, c'est étendu comme situation, effectivement. Ok, le Don Smash en God of the Option qui va renvoyer le docteur de l'autre côté du stage et on a une nouvelle phase de garde ici. Il est tellement menaçant au niveau de l'edge, effectivement, pour la. Il menace la recovery de Mars, c'est terrible. Ah là, c'est... En fait, j'aime bien voir Jim qui mix-up finalement pas mal entre des phases où il va vraiment chercher à pilule à fond et des phases où il va vraiment essayer de profiter de ses mouvements pour essayer de s'infiltrer dans la défense de Mars. C'est vraiment sympa la manière dont il mix-up son jeu, j'aime beaucoup. Ok, le FT sur son upper qui était magnifique. Phase de garde, on va trouver le back air. Très joli, très très joli encore une fois. Oh là là, Jim Sayak qui est en forme. Ouais, il s'envole là, effectivement. Après, on n'est pas à l'abri, on a bien vu. Hein, là, c'était la situation inverse pendant la game 1 et Jim a un peu retourné la situation. On n'est pas à l'abri d'un comeback. On n'est jamais à l'abri, effectivement, mais 170% et continue sur sa première stock. Et c'est suffisant le fer de Mars. Ah, là, il avait un peu la Mars Cursed, 180%, c'était compliqué. Directement. Jim qui rappelle qui c'est le patron là, gros fer dans ta tronche, bam! Hop là, Don't Smash! Ah, dommage. Ouais, il aurait pas du jab avant, je pense. Ok, et on va tenter Power Shield la pilule ici, mais c'est un peu tricky à Power Shield la pilule quand tu connais pas. La pilule, c'est vraiment un projectile qui est sous-côté parce que d'abord tricky, mais ensuite qui. Il a volé l'edge. Dernière stock probablement de ce set pour Karu, j'imagine, ou Karu. Ouais, pour Mars. Ouais, en fait il s'est bien débrouillé sur le départ, mais là d'ailleurs on a une très belle phase ici. Le chargé de Farfetch'd était un peu étrange. Oh, ok. Là à partir du moment où... Mais le mouvement. Là de toute façon, Jim a beaucoup d'avance, il peut se permettre de jouer safe. D'accord. Il peut se permettre là, peut-être d'être aussi plus agressif là. Putain, c'est la pilule était vraiment bien jouée pour les couverts. Oh là, c'est joli. 2-0 de la part de Jim. C'était trop. Je suis trop content d'avoir vu un Doc on stream. Mais Karu qui effectivement s'est très bien débrouillé quand même. Utilise Karu quand même, ouais. Qui a en face il y a Jim. Jim qui est un monument du Smash français. Bah c'est vrai que je connaissais pas trop le niveau de Karu, mais elle a quand même montré des choses intéressantes. Ouais. Jim